Allez, on démarre la moto. Hein. Non, on démarre rien du tout là. Attends, attends. Le tuto a pas commencé. Ah bon. Bon, alors là, c'est quoi ce qu'on va travailler? Donc la tension sur les cale-pieds. Donc c'est soit mettre de la tension, donc de la force, et être tendu avec les jambes. C'est ça. Ou soit lâcher la tension, baisser le centre de gravité et avoir plus de poids sur les cale-pieds. Voilà. D'accord. Donc si on parle de lâcher la tension sur les cale-pieds, qu'est-ce qu'il faut faire avec les genoux? Je libère mes genoux. Ouais, mais encore plus. Encore plus. Faut que je sente le poids. Je vais te le montrer. Bon, alors, on parle de tension haute et tension basse au niveau des cale-pieds. Donc, c'est la pression sur les cale-pieds ou pas mettre de pression. Donc, quand JP tout à l'heure, il faisait ça. Moi, là, il lâche pas le poids. Lâcher le poids, c'est ça. Et mettre de la tension, c'est ça. C'est quand on remonte. Je lâche le poids et j'en remets pour sortir ou arrière ou pour créer une extension. Donc, je lâche la pression, c'est, on est, voilà, il y a vraiment notre corps qui tombe, il n'y a plus de poids. Regardez, oh, moi, je sais le faire. JP, il faut qu'il travaille sans la moto, en fait. Et après, je remets de la tension après ma flexion. Donc là, je lâche le poids, plus de pression, et là, j'en remets. Et là, je gère. Je peux en remettre, je peux en enlever. Je peux en enlever vite, je peux en remettre vite. C'est ça, en fait, qu'il faut travailler. Ouais. Souvent, vous sortez en haut des marches, fais-le, le cul en l'air comme une autruche. Là. Et ouais, mais les jambes tendues. J'entendais. Et la tête en avant. Alors ça, c'est horrible, ça, non? Ça, c'est trop de temps. Beaucoup trop de tension. Voilà. Ok. Quand on lâche la pression, en fait... C'est agréable. Allez, refais-moi les genoux, là. Fouf. Quand on lâche la pression... Voilà. Et là, on en remet. Et là, on sort ou arrière. Je gère. Et là, tu le gères. Ouais. En fait, il faut savoir écouter le poids de son corps, quoi. Exactement, mais c'est dur, hein. Ouais. On fera un petit clin d'œil à la fin de la vidéo à un ami à moi qui va me suivre cette année. On dira le nom à la fin de la vidéo. Allez, on va mettre les moteurs. Boum, c'est parti. Donc voilà, donc là, on a un beau pilote Vertigo déjà. Ici. Monte l'avant, là il doit sentir ses genoux sans pression. Quand il va partir, il lâche les genoux vers le bas, donc il lâche le poids et là il retend les jambes. Dommage. Bon, pour le coup, tu as pas assez lâché de poids au départ. Voilà, tu lâches ton poids quand tu pars, les pieds et les genoux en avant, et après tu retends un peu tes jambes pour sortir roue arrière. Parfait. L'avant un peu trop loin sur la marche. Allez, sans cette voie là, relâche là, relâche. Exactement. Que je redresse mon corps. Ben oui, tu redresses et après tu. Voilà. Voilà, parfait. Et tu relâches la pression et tu en remets en tendant les jambes dans la marche et tu sors roue arrière. Précis avec la roue avant. Lève la tête. Bon, du coup, là, tu as fait l'extension sans gaz. Et tu as fait une méga extension sans gaz. Ouais, donc maintenant, c'est waouh. Donc, quand l'avant il tape, c'est waouh. Allez, ce coup-ci, c'est le bon. Allez, on relâche la pression sur les genoux. Je relâche. Allez, on relâche bien la pression. Après, on regarde où on va et on remet de la tension sur les cale-pieds. Voilà. Alors, effectivement, relâcher la tension, c'est vraiment important parce que ça permet au corps de retrouver une position naturelle droite en flexion. Ce qui fait qu'on libère toutes les tensions et du coup, on peut s'appliquer sur son mouvement. Et on n'a vraiment plus que ce geste de tendre les jambes. Et naturellement, la moto va cabrer puisqu'on on appuie sur les cuisses, donc sur l'arrière de la moto. Donc, elle cabre naturellement, sans accélération, sans forcément beaucoup accélérer, ce qui fait qu'on garde parfaitement le contrôle de la moto. Voilà. Et pourquoi on relâche ce poids sur les cale-pieds au départ? Pour pas cabrer de...
pour pas cabrer dessus. Trop vite. Pas cabrer trop vite, c'est-à-dire que si on est en tension, en fait, on contrôle rien. Alors que si on a relâché la tension, eh bien, on peut vraiment mettre l'appui qu'il faut. Ouais. Qu'il faut sur cette tension pour justement contrôler ce cabrage. Alors que sinon, si on est en tension déjà dès le départ, il suffit qu'on accélère un petit peu trop et on part en vrac. Exactement. Voilà. C'est exactement ça, tu vois. Bon, bravo. On va parler d'autre chose. Exercice numéro 1, j'arrive ici, tac, je fléchis, je sens ma moto. Voilà, je la sens. Je monte mon avant. Hop. Quand je pars, je lâche.